Bonjour et bienvenue sur la chaîne Puissance 221. Avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Et si t'es encore plus sympa pour me soutenir dans cette travail, tu me laisses un pouce bleu, ce sera vraiment sympa. Séville remporte la 7e Europa League de son histoire. Au terme d'une finale folle, qui s'est décidée au tir au but, le Séville FC reste roi de sa compétition, l'Europa League. Les Andalous remportent la 7e C3 de leur histoire en venant à bout de la Roma de José Mourinho. Ce 31 mai 2023 restera à jamais gravé dans les mémoires des Sevillistas. Le FC Séville est venu à bout de la Roma de Mourinho pour remporter la 7e Ligue Europa de son histoire. Après une bataille acharnée, qui a duré plus de 2 heures, ce sont les Espagnols qui rentrent de Hongrie avec l'un des plus grands trophées d'Europe dans leur bagage. La première mi-temps a été tendue, les deux équipes ayant manifestement profité des premiers instants pour s'installer dans le match. Après une demi-heure d'échange de coups, ce sont les hommes de Mourinho qui ont fini par trouver la faille. Sur une superbe passe en profondeur de Mancini, Dybala a trompé Bono pour envoyer le ballon au fond des filets, 1-0. 34e, déclenchant des célébrations sur le banc de Mourinho et dans les tribunes. Ce but unique a donné le ton pour le reste de la mi-temps, jusqu'à réveiller la bête andalouse. C'est un Séville inspiré qui revenait après le quart d'heure de pause, se jetant à l'attaque pour revenir à égalité. À la suite d'un centre tentant, le héros Mancini devenait involontairement le méchant, ratant impuissant un centre diabolique au fond de ses propres filets, 1-1. 55e, l'équipe de Mandibiliar a continué à mettre la pression, faisant de son slogan Nadie la Kir como nosotros. Personne n'aime l'Europa League comme nous, une évidence pour tout le monde. Après avoir fait trembler le poteau à plusieurs reprises, l'équipe du sud de l'Espagne a réussi à s'accrocher pour tenter de mettre fin à la rencontre dans les 30 minutes supplémentaires. En prolongation, l'équipe de Mandibiliar s'est installée dans le match et a montré pourquoi elle est si redoutable dans cette compétition. Plus la prolongation se prolongeait, plus les Espagnols semblaient prendre le dessus. Mais après 30 minutes de jeu, le public en a eu pour son argent, puisqu'il a assisté à la fameuse séance de tir au but. Les échecs de Mancini et Dibagné ont sonné le glas, pendant que les Rojiblancos n'ont remblé à aucun moment. Comme lors de la finale du Mondial, Gonzalo Monciel est venu délivrer tout un peuple en transformant le tir au but de la victoire. Le FC Séville est entré dans l'histoire en devenant l'équipe qui a remporté le plus grand nombre de victoires dans la compétition. C'était ce n'est pas fini. Ce résultat, bien sûr,